Coucou tout le monde. Alors oui, je sais que j'avais dit que pour le Pumpkin Autumn Challenge, je vous prendrais pas comme ça en voix normale. Mais les derniers événements ont fait que je vais avoir clairement le temps de vous tourner normalement. Je vous explique ça tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre. Et en fait, la semaine dernière, j'étais à Laval. Et dès le lundi, j'ai commencé à pas être trop en forme. Et pour moi, c'était un rhume. Voilà, c'était clairement un rhume. Sauf que quand je suis revenue aujourd'hui, que j'avais toujours les mêmes symptômes. Et que j'en ai fait part à ma collègue. Disons que ce soir, en fait, j'ai dû vraiment aller voir un médecin. Bah, j'ai dû prendre rendez-vous chez le médecin très rapidement. Parce que sinon, je ne retournerais pas bosser tant que j'avais pas eu un médecin. Et suivant ce qu'il me disait, voilà. Donc, j'ai vu le médecin. Et donc, ça peut clairement être un début de Covid. Pour l'instant, ça va. En fait, je ne ressens même pas le besoin de prendre des médicaments pour vous dire à quel point ça va bien. Mais là, je suis en arrêt de travail. Et jeudi matin, je vais me faire tester. Donc, on est lundi. Donc voilà, donc pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un rapide update sur, voilà, sur la situation, donc je vais avoir le temps de lire. Enfin, j'espère que mes symptômes ne vont pas s'aggraver. Pour l'instant, je me sens très bien pour lire, même si j'ai la tête qui commence à être un peu prise. Mais pour le moment, ça va très bien, donc je vais continuer à lire, puis à vous tourner 2-3 passages. Je vais couper les sons parce que là, j'ai un peu...
j'ai un peu mis tout le monde à jour sur la situation. Donc ça va biper sinon. Alors, concernant mes lectures, parce qu'après je vais arrêter le blabla, puis je vais retourner au vlog habituel. Concernant mes lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y aura peut-être 2-3 changements, parce que si je suis dans cet état-là, je vais peut-être pas pouvoir lire à fond comme j'avais prévu. En tout cas, je vais avoir fini avant, vous en faites pas. Donc, Octobre de Svein Sveistrup, il est terminé d'ailleurs, je l'avais emprunté, et dès que je peux, je l'achète, parce qu'il est génial, j'ai adoré. J'ai ensuite lu Damné de Lauren Kate. Alors pour ce livre-là un peu particulier, en fait je partais à Laval et j'avais pas envie d'emmener 30 000 bouquins, donc je me suis dépêchée de vraiment de le lire bien. Sauf qu'en fait j'aimerais bien le déguster, donc je vais le reprendre. Mais je l'ai terminé, je sais comment ça se termine, tout ça, bref. Mais j'avais envie de le redéguster un peu plus et voir les éléments que j'ai pu louper en le lisant en accéléré. Ensuite je devais lire Falenia de Alice Brière-Aquet, que voici. Je l'ai fini pendant que j'étais à Laval et j'ai juste adoré l'histoire, c'est un petit bijou. Et en ce moment, je suis en train de lire donc Histoire extraordinaire de Edgar Allan Poe. Je suis rendue à la page 109. Donc je suis à. Ouais, j'en suis à la deuxième histoire. Donc selon mon état, je vais voir, mais peut-être que je lirai que cette nouvelle ou une troisième, on verra. Soit je le termine, soit je lis que voilà, que j'essaie de terminer au moins l'histoire que je suis en train de lire dedans. Et on comptera ça comme livre lu. Ensuite, concernant, il fait un. Là, du coup, automne frissonnant, ça va être clairement validé. Déjà, j'ai validé un menu. Ensuite, je dois lire automne frissonnant, donc il fait un temps d'épouvantail. Donc c'est Jack aux lanternes, je ne l'ai toujours pas lu. Donc c'est ma prochaine lecture. Que je sais pas où je l'ai mis. Il doit être là-bas. Oui, Jack O'Lantern, c'est ma prochaine lecture. Ensuite, je devais regarder La Famille Addams. Bah, je vais essayer de la regarder demain. Il faut que je trouve une catégorie pour les créatures légendaires, fantastiques, petit peuple et tout ça. Soit je regarde un film, soit je vais voir. Window to the Post, Les Sorcières de Northampton. Ça, c'est pareil en fait. Faut que je regarde parce que j'ai pas envie. Je vais voir, voilà, vous voyez, c'est honnêtement, je vais voir, mais je vais pouvoir le regarder. Sabrina l'apprentie sorcière, pareil. Et pour le reste, ça va être lui, hein. Je vais essayer vraiment de le terminer cette semaine. Donc voilà pour le petit update. Et je vais vous commencer un nouveau vlog parce que je pense que ça peut être pas mal que je vlog pendant cette semaine. Pour l'Halloween justement et la session de lecture qu'on a sur Halloween, ça pourrait être très intéressant, je pense, de vlogger pendant cette semaine-là. Bon, je vous laisse, puis je vous reprends dans les prochains jours hein, pour vous faire continuer le vlog du Pâques.